Je pense que nous sommes arrivés au bon moment. Comment allez-vous, Maximilien? Qu'est-ce que vous m'avez injecté? De quoi vous tenir tranquille. Où sommes-nous? Dans un centre de repos. Comment ça? Je m'appelle Angelina. Vous avez subi des traumatismes. De quoi vous parlez? J'ai été dans l'armée, mais je ne sais plus quand. Qui a pris ces photos? Vous vous souvenez de vos parents? Pourquoi vous me montrez tout ça? Qu'est-ce que vous voulez? Ça va passer. C'est quoi ce rayon? Technologie expérimentale. Prenez ça. Une seule. Maximilien. Maximilien. Quelle merde y avait dans cette seringue? C'est pour vous aider à retrouver la mémoire. On vous a fait subir un lavage de cerveau. Qui? Pourquoi? Je vous le dirai en temps et en heure. Parlons de votre passé militaire. C'était votre unité dans les services spéciaux de la marine. Au bout de 20 ans, vous en êtes sorti chef de mission avec le grade de major et de nombreuses décorations. Mais surtout, la rare et prestigieuse médaille d'honneur de la nation. Décernée pour acte d'héroïsme accompli au-delà du devoir. On ne dirait pas en vous voyant. Pour un ex-militaire, vous ressemblez plutôt à un épouvantail, mais vous êtes un héros. Ça vous branche, les héros? Vous n'êtes pas mon type d'homme. Isis, résurgence, aurore boréale, information ultra secrète classifiée secret défense. Comment vous pouvez le savoir? Vous travaillez pour le renseignement militaire? Pas du tout. Opération Scorpion Bleu, Albanie. Vous libérez des otages retenus par des trafiquants d'organes. Malgré l'interdiction de vos supérieurs, politique et intérêt géopolitique oblige, vous êtes viré de l'armée pour désobéissance. Si vous le dites. Savez-vous combien d'hommes vous avez tués sur les théâtres d'opérations où vous avez servi? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? 19 au fusil de sniper lourd sur des tirs longue distance, 43 avec divers fusils de précision, 73 avec des armes automatiques en condition d'assaut ou de défense, les autres au choix. Ah oui? Vous étiez là? C'est n'importe quoi. Vous instruisez mon procès? Je ne suis pas là pour vous juger. Comment vous avez obtenu ces informations?
Je crois que ce serait dommage de vous retrouver dans la même situation qu'hier. On va faire une pause. Tes obligations, Maximilien. Némésis est en colère. Tu ne pourras plus la sauver maintenant. Non, je vous en prie, pitié! Laissez-la, bande de salauds! Vous jouez à quoi? À rien. Vous voulez essayer? On va jouer à un autre jeu, chérie. Sortir, par exemple. Ça, c'était pour le chéri. Vous êtes un dinosaure. Les temps ont changé. Et les femmes aussi. En effet, c'était plus simple à la préhistoire. Dites-moi ce que vous avez vu. Et si on parlait de vous? Vous avez des passions, des amis? Vous aimez aller au cinéma? Vous éclatez en boîte? Nous ne sommes là que pour parler de vous. J'ai des flashs. Et j'entends des voix que je ne comprends pas. J'ai peut-être oublié des choses. Mais vous connaissez sur moi des trucs qu'il est impossible de savoir. Et vous pensez à quoi? Un programme sophistiqué de manipulation mentale. Tout ceci n'est peut-être qu'une illusion pour me faire parler. Ils auraient fait de sacrés progrès. Donc je n'existe même pas. Quand ils vont vous déconnecter, je vais me désintégrer. Vous me garderez dans vos souvenirs, j'espère. Si tout cela est virtuel, les programmeurs sont très forts. Torturer les gens en agissant sur les zones du cerveau réceptives à la douleur pour leur faire croire qu'ils ont physiquement mal. Par exemple, si je décidais de vous ouvrir le ventre, votre cerveau le croirait vraiment et vous souffririez abominablement. Mais si tout cela est bien réel, nous voilà retournés à la case départ. Eux, ce qu'ils vous ont injecté, c'était pour vous faire perdre la mémoire. Nous, c'est pour vous la faire retrouver. Je reviendrai plus tard. Comment vous sentez-vous? Je ne suis pas emmerdé par les voisins. C'est un peu en retrait. Comme vous, j'aime le calme. Ça suscite l'introspection. Pouvez-vous me parler de cette image qui vous provoque des réactions violentes? La déesse antique? Oui. Montrez-la-moi. Némésis. Déesse de la colère et de la vengeance. J'ai déjà entendu ce nom. Savez-vous à quoi cela correspond? Une sorte d'organisation. Mon nom est Dark. Dark. Il est à la tête de cette organisation clandestine. Votre désobéissance dans l'opération Scorpion Bleu vous honore. Meurtre, chantage, manipulation en tout genre. Si vous le saviez, pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Pour que votre mémoire se stimule elle-même. Après votre éviction de l'armée, il n'a pas été difficile de vous convaincre. Bienvenue dans Némésis, Maximilien.
Qui est derrière ? Intérêts gouvernementaux, privés, les deux. Ceux qui nous gouvernent dans l'ombre conduisent volontairement le monde au chaos. Ça va vous aider. Laissez-moi vous présenter Tatiana. Bonjour, Maximilien. C'est moi qui vais planifier toutes vos missions. Elle n'est pas ce qu'elle prétend être, Maximilien. Tatiana. Faites-moi sortir d'ici, bordel ! Si vous voulez me tuer, alors faites-le tout de suite ! Pourquoi vous donnez tant de mal ? Prenez les vieilles méthodes ! Arrachez-moi les ongles, les yeux ! Découpez-moi en morceaux, qu'on en finisse ! On veut juste vous rendre la mémoire. J'en ai rien à foutre de ce que vous voulez savoir ! Asseyez-vous. Maximilien. Maximilien. J'ai mal, Maximilien. J'ai mal. Tu vas oublier ce que tu as été. Quel dommage, Maximilien. Je suis tellement déçu. Henri Daguerre. Sénateur, essayait de dénoncer des dessous de table impliquant des hommes politiques dans une vente de sous-marins à l'étranger. Sekou Abramovic. Trafic d'armes et de drogue. Devenait un peu trop encombrant pour la concurrence soutenue par Nemesis. Lui, c'était une belle crapule. Votre prochaine mission, Maximilien. Nous devons éliminer les hommes d'affaires, les politiciens et les banquiers véreux qui cherchent à réduire le monde en esclavage. Elisabeth Duval. Elle appartenait à une association dénonçant l'esclavage des femmes et des enfants travaillant pour de grosses multinationales. J'ai mal, Maximilien. J'ai mal. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Rien. Rien. Laissez-moi vous présenter Tatiana. Bonjour, Maximilien. Je m'appelle Tatiana. Votre prochaine mission, Maximilien. Les puissances arrogent le droit d'écraser, d'humilier, même d'exterminer ceux qui ne font pas partie de leur caste. Le pouvoir les rend fous. Quand je t'ai vu la première fois, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Comme si je t'avais toujours connu. Tu crois aux existences antérieures ? Je ne sais pas. Comme s'il existait des choses qui nous dépassent. Je veux une injection. Vous devez attendre encore pour la suivante. Je veux savoir ce qu'ils lui ont fait. Vous risqueriez une overdose, comme un trop-plein d'énergie qui ne saurait par où sortir. Je sais comment l'évacuer. Faites-le. Quelle aventure merveilleuse que celle de la domination du monde. Détruire les sociétés pour n'avoir plus que des créatures égarées. Tout cela au nom du progrès. Et de la liberté.
c'est si facile de corrompre. Argent, sexe, célébrité. Nous fabriquons des crises économiques et des guerres pour appauvrir les nations et les faire disparaître. Bientôt leur sera greffée cette petite merveille. Leur vie entière y sera programmée et toute déviance sera immédiatement sanctionnée. Nous avons prévu un système d'esclavage planétaire. Il y aura même des milices privées, des programmes d'asservissement dont tu n'as même pas idée. Tous ceux qui voudront y échapper seront traqués et éliminés. Bientôt, toute trace de liberté sera effacée de la mémoire collective. Mais nous allons faire encore beaucoup mieux. Ils veulent réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. En effet, ils répandront des épidémies monstrueuses, provoqueront des tremblements de terre ou des catastrophes climatiques. La vérité, c'est que je suis tombée follement amoureuse de vous en vous croisant un jour. Comme je suis ultra timide, je vous ai fait kidnapper. Et j'essaie de me surpasser pour vous séduire. Hélas, je ne suis pas votre type de femme. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas dîné aux chandelles ? Je ne m'en souviens plus. Si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes avec qui? Vous finirez par le savoir. Pour m'apercevoir que vous ne valez pas mieux que Némésis. Vous semblez avoir eu peur de quelque chose tout à l'heure. Un mauvais flash. Cette fille dont vous parliez, Tatiana? Ils lui ont fait du mal. Mais je ne sais pas encore pourquoi. Il faut partir. J'ai réussi à obtenir la preuve de tous leurs mensonges. Il faut que tu regardes ça. Qu'y a-t-il ? Chers initiés, au nom de Némésis, je vous souhaite la bienvenue. Le moment est venu de nous approprier toutes les ressources de la planète grâce à la stratégie du chaos que nous mettons en place avec les élites corrompues. En démoralisant le monde entier et en retournant contre lui ses plus nobles valeurs, nous l'avons plongé dans une véritable crise du sens, grâce à laquelle, de gré ou de force, nous imposerons aux humains la servitude. Savez-vous ce qu'est la nouvelle organisation du monde ? L'objectif de certaines oligarchies visant à instaurer une dictature planétaire. Ce à quoi j'ai travaillé en croyant lutter contre. Voilà des siècles qu'ils travaillent patiemment à forger cette toile diabolique, grâce à toutes sortes de sociétés secrètes. De quoi vous rappelez-vous ? Une fille terrifiée. Ils l'ont arrêtée. Ça va vous revenir. C'est ce qui me fait peur. Sors. Tournez-toi.
C'est terrible ce qu'ils vont me faire. Tout n'a toujours été que manipulations et mensonges. Au nom de quoi ? La possession, le pouvoir, la domination. Maximilien, ne me laisse pas seule. Aide-moi. Laissez-la, espèce d'ordure ! Quitte-moi ! Tu sais que ça va être douloureux. Il est temps de faire votre injection. Je suis fatigué. Vos souvenirs sont en train de revenir. Il faut continuer le traitement. Tu pourrais faire partie de notre grand projet. Tu es un patriote. Pourquoi as-tu risqué ta vie ? On croit mourir pour la patrie et au final on ne meurt que pour des banquiers et des hommes d'affaires qui, eux, ne s'entretueront jamais. Tout oublié sera ta punition. Tu n'auras plus ni mémoire ni identité comme bientôt tous les êtres humains. Ils m'ont autorisé à dessiner. C'est la Terre il y a très longtemps. Il n'y avait encore rien. Rien du tout. Qu'est-ce que c'est ? C'est un lecteur médical. Il me donne votre tension, votre analyse de sang et bien d'autres choses. Vous supportez très bien le traitement. Avez-vous eu de nouvelles visions intéressantes ? Je vois Dark me torturer avec Tatiana. Elle dessine des animaux et des hommes préhistoriques. En gros, n'importe quoi.
Ça correspond certainement à quelque chose. Il suffit d'être patient. Ce sont les dieux de l'Antiquité. Ils ont créé tout ça. Ils venaient de partout et ils se sont installés. Il ne faut pas qu'ils les voient. Bien avant, elle s'appelait Inanna. Elle nous sauvera de Némésis, grâce au cristal. Qui est-ce ? C'est moi. C'est bien. Tu te souviens encore que tu es né. Et bientôt, tu ne sauras même plus si tu es vivant ou si tu es mort. Quelle importance ? T'as raison. Aucune. Par contre, j'ai peur que Tatiana ne soit pas aussi résistante que toi. C'est curieux comme le traitement la rend créative. La pauvre, elle croit nous le cacher, mais elle nous raconte tout. Et en plus, elle nous fait même des dessins. Qu'est-ce que vous lui avez mis dans la tête ? Elle a imaginé une histoire incroyable. Il y a 500 millions d'années, alors qu'il n'y avait aucune vie sur Terre, des créatures venues d'ailleurs seraient arrivées. Des géants, des nains, des corps d'hommes avec des têtes d'animaux. Et elles auraient cultivé la Terre durant des millions d'années. Et ces visiteurs auraient créé des civilisations comme l'Atlantide ou le continent Mu. J'adorais ces légendes quand j'étais gosse. Pas toi ? On t'a posé une question. Vous n'êtes qu'une bande de tarés ! Les commandos t'ont formé à tout endurer. Tu n'as pas encore oublié la politesse, n'est-ce pas ? Qu'auras-tu oublié la prochaine fois ? Tes amis ? Les femmes que tu as aimées ? J'espère que c'est ta sale gueule que j'aurais oublié ! Vous êtes resté 2 jours dans le coma. Quand est-ce que je sors d'ici ? Je vous l'ai dit. Quand vous aurez retrouvé la mémoire et ce que nous voulons savoir. C'est qui, Vénus ? C'est nous. C'est une guerre entre déesses antiques ? C'est une guerre entre ceux qui veulent dominer le monde et ceux qui veulent les en empêcher. Vous êtes les gentils, je suis rassuré. Il n'y a pas de gentils, vous le savez bien. Mais certaines choses font toute la différence entre la liberté et l'esclavage. Vous avez déliré. Vous avez parlé de création génétique, de visiteurs venus d'ailleurs, de civilisations disparues. Comment vous avez eu ça ? Tatiana travaille pour nous depuis longtemps. Elle était chargée de nous apporter des informations sur Némésis. Alors pourquoi n'allez-vous pas la chercher ? Parce que là où elle est, nous ne pouvons l'atteindre. C'est déjà un miracle que vous ayez pu vous évader. Je ne me souviens pas. Je vous promets que vous sortirez dès que la totalité de votre mémoire sera revenue. Bien sûr. Les cauchemars, c'est fait pour en sortir.
Je les ai faits pour toi. Qui représentent-ils ? Les entités. Elles sont venues après. Après quoi ? Après ceux qui avaient cultivé la terre. Ils ont créé Éden. Le paradis de la Bible ? C'était pas un paradis, mais un enfer. Raconte-moi. J'ai pas le droit de le dire. C'est un secret mortel. Je n'en parlerai à personne. C'est le chez mon oncle. Elle m'a parlé d'entités venues d'ailleurs, du jardin d'Éden. Mais il y a quelque chose qu'elle a eu peur de me dire et qui semble la terrifier. Elle m'a aussi parlé de chaînons manquants. Et elle m'a montré un dessin de Léonard de Vinci. Comme celui-ci? Elle essayait de vous dire quelque chose. Le chaînon manquant, c'est un secret mortel. Mortel. C'est Adam. Il est parfait. Alors, Maximilien, tu viens de découvrir le grand secret de l'humanité ? Elle t'a donc raconté la belle histoire de la Terre. N'est-ce pas, Tatiana ? C'est pas une histoire. Thiago, penses-tu qu'une nouvelle civilisation est arrivée il y a, je crois, 450 000 ans ? Bien sûr. Et toi, Talula ? J'étais là quand ils sont arrivés. Mais t'a-t-elle tout raconté ? Ça ne m'intéresse pas. Tu as tort. Cette civilisation serait arrivée en Mésopotamie, dans un endroit appelé Éden. Et pour la main-d'œuvre, les humanoïdes existant déjà sur Terre étant trop peu domesticables, ils auraient créé Néandertal et l'Homo sapiens. C'est bien cela, Tatiana. Foutez-lui la paix ! Ils auraient développé une civilisation mondiale en construisant des pyramides servant de générateurs d'énergie. Pour accomplir ce grand projet, il leur fallait un humanoïde beaucoup plus intelligent. Et c'est là que tout devient passionnant. Vous êtes dingue ! Un être humain supérieur avec le meilleur des expériences précédentes, mais en y ajoutant leur propre gène. Qu'est-ce que ça te fait, Maximilien, de savoir que tu es l'arrière-petit-fils d'alien ayant conçu les hommes pour être leurs esclaves ? J'en ai rien à foutre de vos petits hommes verts ! Ce n'est pas très gentil pour Tatiana. Elle s'est donné tellement de mal. C'est triste. Au moment où tu apprends tes origines, tu vas les oublier. Mais nous n'enlèverons pas sa créativité à Tatiana. Vous n'êtes qu'une bande de tortionnaires! Avez-vous découvert ce qu'est le chaînon manquant? C'est quoi, Gio à la con? Une expérience militaire? Vous voulez quoi avec vos histoires débiles d'extraterrestres? Nous n'y sommes pour rien. Oh, qu'est-ce que j'en sais de ce que vous faites ou pas? Plus je me rappelle, moi je sais quel est mon vrai passé, ni même si Tatiana existe vraiment. Pourquoi elle a votre visage? Pourquoi? Mon visage? Comme si vous ne le saviez pas. Ou vous faites un transfert sur moi, ou c'est eux qui ont fait ça pour vous égarer. Ah oui, ils m'ont fabriqué des souvenirs. J'en ai rien à foutre de ce que vous voulez savoir. Maintenant, on va changer les règles. Vous allez me faire sortir d'ici. Il recommence à délirer. Nous allons le perdre. Les produits sont en train de le détruire. Tant pis. Il faut qu'il tienne encore un peu.
Il doit nous livrer des informations. Pitoyable imbécile. Tatiana n'existe pas. Je suis Angelina et Tatiana. Tu n'as aimé qu'une illusion. Nous voulons la même chose que Némésis. Dominer le monde et le réduire à l'esclavage. Vous êtes folle. Et alors ? L'homme est tellement dingue que de ne pas l'être serait une autre forme de folie. As-tu quelque chose d'impérissable à dire avant de mourir ? Pourquoi ? Dans ce monde, il n'y a pas de pourquoi. Maximilien ? Tu es là, toi aussi ? Qui êtes-vous ? Tu ne me reconnais pas ? Je suis Tatiana. Tatiana ? Mais tu n'as jamais existé. C'est ce qu'ils t'ont dit ? C'est parce que tu as perdu la mémoire. Bonjour, Maximilien. Je suis Tatiana. Je me souviens. Nous avons eu des moments difficiles. J'en peux plus, Maximilien. Je tiendrai plus longtemps. Mais j'ai tellement aimé être avec toi. Où sommes-nous? Je ne le sais vraiment pas. Nous attendons notre jugement. C'est l'heure. Je dois y aller. Si seulement je pouvais te revoir. Où vas-tu ? Tu n'as pas compris ? Nous sommes morts, Maximilien. Prenez ça. C'est effrayant. J'ai cru que vous étiez une autre et que j'étais mort. Nous avons failli vous perdre. Les deux produits se combattent et ont provoqué une réaction violente. J'ai retrouvé qui est Tatiana. Et je me souviens de tout. Bonjour, Major. Repos. Suite à votre rapport, a été créée cette commission restreinte, dirigée par le général Dark, chef du renseignement militaire. Il y a 4 ans, en Albanie, vous avez pris part à la mission Scorpion Bleu. Elle était destinée à faire d'une pierre deux coups, libérer les otages tout en prétendant que vous auriez désobéi. Le but étant de vous faire faussement renvoyer de l'armée pour infiltrer l'organisation Némésis. C'est bien cela ? Affirmatif. Vous avez donc été engagé par Némésis. Hormis le projet de dictature planétaire qui se profile depuis longtemps, ce que vous avez découvert est pour le moins surprenant. En gros, la vie existant sur la Terre depuis des millions d'années ne serait que le produit de multiples colonisations extraterrestres. Et l'homme, créé pour être l'esclave d'une civilisation arrivée il y a 450 000 ans, et que nous appellerons Epsilon. Le projet Adam serait ce chaînon manquant qui donc n'existe pas. C'est exact, mon général.
Epsilon était une civilisation composée d'individus aux formes principalement reptiliennes, formées de deux castes dominantes rivales. L'une de polarité féminine, la part lumineuse et créatrice, l'autre de polarité masculine, brutale, appartenant à la part obscure de toute chose. Ils auraient construit les pyramides d'Égypte dont l'alignement reproduit celui de la constellation d'Orion. C'est de là qu'ils seraient venus. Et c'est celle que vous appelez Tatiana qui vous a révélé cela. C'est le cristal. C'est quoi ce cristal ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Faut que je te raconte tout. La civilisation Epsilon, cherchant à concevoir l'esclave parfait qu'ils nommèrent Adam, ajouta ses propres gènes aux humanoïdes qu'elle avait précédemment créés. Mais avec un tel patrimoine génétique, elle prenait le risque de les voir un jour devenir leur égal. Ils les créèrent donc asexués, parlant le même langage et pouvant être reproduits à la demande, avec des caractéristiques génétiques adaptées à tous les continents. Vous dites ensuite que pour affaiblir le pouvoir des entités masculines sur le monde, les entités féminines séparèrent les sexes des humanoïdes, leur apprirent à se reproduire et donnèrent une langue propre aux différents groupes ethniques. Et contrairement à l'histoire de la tour de Babel, ce n'est donc pas l'arrogance des hommes qui est punie, mais celle des entités masculines. C'est bien cela, Major. Entités masculines qui devinrent furieuses et décidèrent d'éradiquer ce qu'était devenu l'espèce humaine. C'est ainsi qu'il y a 10 000 ans, elles provoquèrent le déluge. Faut que tu me croies. Y a que toi qui peux faire quelque chose. Et d'après vous, les hommes survécurent grâce à la protection des entités féminines qui envoyèrent Noé. Si je ne connaissais pas vos états de service, Major, je prendrais ce rapport pour celui d'un déséquilibré. J'en suis conscient, mon général. Bon, continuons. Les deux entités se firent la guerre au risque d'une destruction mutuelle. Mais l'inventivité des hommes se montrant exceptionnelle, elles décidèrent de faire la paix et de les laisser évoluer. Les entités auraient ensuite quitté la Terre après avoir laissé des observateurs qui devinrent des grands prêtres et des rois et furent considérés comme des dieux. Les dieux de l'Antiquité. Parfaitement. Ainsi serait née la civilisation sumérienne qui a tout inventé. La roue, l'écriture, l'astronomie, les arts, la médecine. Ils ont divisé le temps en minutes et en secondes, et toutes les langues viendraient du sumérien. Donc, d'après vous, l'apparition de l'intelligence n'a pu se produire sans une intervention extérieure. Regarde, c'est un disque génétique, gravé il y a des milliers d'années. Avec des spermatozoïdes et des ovules. Et ça, des engins spatiaux. Les vimanas, dessinés par des anciens hindous. Les chariots de feu du livre d'Ézéchiel. Tu vois ? Des planisphères complètes avant même que l'on sache que la Terre était ronde. Le système solaire avant que ne le découvre la science moderne. L'évolution du monde ne correspond pas à ce qu'on nous a enseigné. Selon votre rapport, les deux entités régnèrent quelques millénaires, se reproduisant même avec des femmes humaines, donnant ainsi naissance à des héros surhumains, tels que ceux de la mythologie, comme Hercule ou Ulysse. Mais le monde évoluant rapidement, les deux entités ne purent garder leur place. Elles prirent des apparences humaines ou restèrent à l'écart dans des endroits secrets, continuant à agir dans l'ombre. Et si j'ai bien compris, cherchant à reprendre leur domination en se servant de l'humanité qu'elles avaient créée. En effet, ils veulent fonder une nouvelle civilisation avec les élites humaines. Il n'y a jamais eu de rapport. Dark n'a jamais été général de l'armée et ne vous a pas commandé de mission d'infiltration. Dans ce cauchemar, j'ai tout mélangé avec mes souvenirs. Après vous avoir enlevé, nous avons trouvé chez vous les dessins de Tatiana.
Et votre mémoire, où en est-elle ? Il y a encore des zones d'ombre. Donne-leur ce qu'ils veulent. Mourir n'a pas d'importance. Ce n'est pas de mourir dont j'ai peur. Votre rapport dit qu'il voulait la transformer pour obliger Tatiana à leur donner le cristal. Donne-nous le cristal! C'est à ça que tu veux ressembler? Je m'en fous. Bon, vas-y. Avec joie. Nous avons lu tout ce que vous avez enduré, Major. Malgré tout, pouvez-vous nous redire comment avez-vous fait pour vous évader ? C'est ça qu'il voulait ? Le cristal. Elle vous l'a donné ? Vous ne le dites pas dans votre rapport. Je ne me souviens pas encore très bien. Ni ce qu'il contenait. Vous vous souvenez du bracelet ? Quelqu'un cherche à nous aider. Il faut que tu sortes d'ici avant d'avoir complètement perdu la mémoire. Celui qui veut nous sauver l'a déjà programmé. Tiens, prends-les et montre-les. Maintenant, tout dépend de toi. Ne m'oublie pas, Maximilien. Ne m'oublie pas. S'est reconstitué chez vous. Si je ne vous avais pas donné ce bracelet, vous ne m'auriez pas cru. Et vous m'auriez fait interner. Probablement. Nous l'avons étudié, il ne correspond en effet à rien de connu. Vous ne nous dites pas tout, Major. Une fois rentré chez vous, vous avez été kidnappé par une organisation rivale de Némésis nommée Vénus. Vénus ? Elle voulait aussi le cristal ? Mais le lui avez-vous donné ? Et vous a-t-elle libéré ? Et si vous vous êtes échappé, expliquez-nous comment. Moi, je crois que vous savez très bien le cristal. Mais on vous a appris à vous méfier. Mais ça n'a pas d'importance. Qui êtes-vous ? Vous êtes des traîtres ! J'ai fait ça pour mon pays ! Il n'y a plus de pays. Emmenez-le, sergent. À vos ordres, général. Ah.
Le poison qu'ils vous ont injecté, ayant altéré votre ADN, il a, par voie de conséquence, altéré aussi le cristal. Si on avait essayé de le récupérer avant d'avoir contré les effets de ce produit, il se serait détruit avec vous. Le cristal, il est en moi. En toi? Oui. Il m'a donné la force de résister, mais je n'en peux plus. Il a été conçu pour être transmis. Tatiana, ayant trouvé des informations ultra secrètes sur Némésis, il lui fallait un moyen indétectable pour les enregistrer et nous les amener. Nous lui avons donc donné un cristal biologique qui, une fois avalé, se mélangerait à son ADN. Maintenant, il est mélangé au vôtre. C'est quoi ces informations? Toutes les bases secrètes où se cache Némésis. Le créateur de l'espèce humaine s'appelle Enki et fait partie des entités féminines Vénus. Il n'a pas seulement séparé les sexes des hommes, il leur a donné la connaissance. Il est le serpent libérateur et non le serpent tentateur. Il n'y a pas eu de faute originelle. Adam et Ève n'ont pas été chassés du paradis terrestre qui n'a jamais existé. Ils n'étaient qu'un lieu d'exploitation inhumaine. Après le déluge, les entités mâles, pour retrouver leur suprématie, ont culpabilisé les hommes pour les punir éternellement. Elles ont donc falsifié l'écriture de la Genèse et fait passer les Enki pour le diable. Au cours des siècles, les entités mâles ont aussi diabolisé la femme parce que dans chacune d'elles s'incarne l'énergie de la déesse mère. Qui est la déesse mère? C'est elle qui est à la source de toute vie dans l'univers. C'est cet accès à la transcendance que Némésis a obligé Enki à enfouir au fond des hommes et qu'il n'a cessé de réveiller. Je peux faire beaucoup d'autres choses. Mon rôle est de chercher et recruter ceux qui ont les qualités requises avant qu'ils ne soient améliorés. J'ai moi-même été enrôlée il y a bien longtemps. Nous sommes arrivés à un tournant de l'humanité. Toutes les vérités et les mensonges de l'histoire sont en train de surgir à la lumière. Nous allons révéler aux hommes leurs véritables origines. Et tout ce qu'ils ont cru jusque-là disparaîtra. Sans l'espoir d'un monde meilleur, ils deviendront fous. Alors nous leur imposerons une religion commune, dont nous serons à nouveau les dieux. Némésis est pressé d'arriver à ses fins, avant que ses projets ne soient découverts et que tout bascule en notre faveur après tant de siècles d'efforts. Après l'extermination planétaire, nous ne survivrons que des élites humaines sous contrôle. Nous recréerons un humanoïde asexué qui retournera à son état originel d'esclave. La boucle sera bouclée. Le monde des hommes libres est arrivé à sa fin. Et toi, Maximilien, au bout de quoi es-tu arrivé? Fais-le. Ferme-la. Comment savez-vous toute ma vie et ce que j'ignore moi-même? Toute notre vie est gravée sur des cristaux intelligents qui naissent avec chacun de nous. Seule la déesse mère nous permet de les lire. J'ai lu le vôtre. Qui est au-dessus de la déesse mère? Une entité qui dépasse notre entendement et celui de tout ce qui existe. En vous téléportant chez vous, le bracelet vous a montré l'endroit où vous étiez prisonnier. Vous vouliez la délivrer. C'était suicidaire.
Heureusement, sorti de cet endroit secret, le marqueur du cristal s'est déclenché et nous vous avons trouvé. Où sommes-nous ? Dans une dimension parallèle qui ressemble à ça. Il y a beaucoup d'autres dimensions et de créatures étranges. Au fond d'eux, les hommes le savent, car nous sommes tous faits de la même étoffe que l'univers. L'imaginaire n'invente rien. Et maintenant ? Vous allez rencontrer Enki pour lui remettre le cristal. Tu es donc le messager venu m'apporter le cristal ? Celle qui me l'a donné l'a payé de sa vie, en devenant probablement une créature inhumaine. L'apparence est parfois trompeuse. Approche. Je crois que le moment de vérité est arrivé. Quelle vérité ? Que fais-tu ici ? Tu devrais être mort avec Enki. Tu as l'air déçu, mon frère. Tu t'appelles Dark aujourd'hui. Tu sais bien que j'aime changer de nom et d'apparence. Où est donc cette merveilleuse Tatiana ? Je suis là, Enki. Introduire une bombe génétique dans le cristal, c'était ingénieux. Mais il te fallait un pigeon pour me l'apporter à ta place. Au moins, je me serais bien amusée. Croyais-tu vraiment que je ne serais pas méfiant ? En disant à Tatiana que j'ouvrirais moi-même le cristal, elle a sauté sur l'occasion. Hélas, tu n'as fait mourir que mon clone. Qui ne tente rien, n'a rien. Qui es-tu ? Dis-le-lui ! Qu'est-ce que j'ai à faire de ça ? Tu vois, Maximilien, l'apparence est parfois trompeuse. Tatiana est à moitié humaine, moitié reptilienne. Les stigmates sur son corps, ce n'était qu'une petite partie de son autre apparence. Alors, Maximilien, ça te fait quoi d'avoir aimé un lézard ? Tu n'as toujours été qu'un pion, bétail, bon pour l'abattoir comme les autres. J'y vais aller chaque moment que tu vas poser la main sur moi. Je vais te le faire payer. Issue de votre espèce est sans limite. Les hommes retourneront toujours à leurs origines sanglantes et archaïques. Voilà des millénaires que tu cherches à m'anéantir. Les forces de la vie sont du côté de la déesse mère. Les forces de la destruction et de la domination ont toujours triomphé. Et je vais te le prouver. Montre-lui, Thiago. Avec plaisir. Oh.
Dieu pour ça. C'est moi qui leur apporterai la paix, en les replongeant dans l'ignorance et la servitude. Nous battre ne servirait qu'à nous détruire l'un et l'autre. Tu sais bien qu'il y aura toujours une prochaine fois, mon frère. Il y a des milliers d'années, j'ai donné la vie à une créature, avec l'espoir qu'elle s'élèverait un jour vers l'éternité. Je n'ai pas perdu cet espoir.